Warketeux, Warketeuse, bonjour, bienvenue sur cette chaîne où on parle de marketing, de business et d'entrepreneuriat. Je suis Olivier, entrepreneur à Los Angeles et aujourd'hui c'est l'heure du bilan du mois de juillet, de voir ce qui s'est passé le mois précédent. Alors oui, je sais, on est mi-août, mais c'est les vacances, ça va. Et donc sans plus attendre, on saute dans le YouTube Studio, en tout bien tout honneur évidemment. Je veux juste préciser une chose, c'est que en règle générale, dans la plupart des secteurs, sur Internet, les mois de juillet-août, c'est quand même pas les meilleurs. C'est toujours des mois qui sont un petit peu plus creux, sauf évidemment pour certaines industries et certaines niches. Mais en règle générale, le trimestre estival est pas forcément le meilleur. Et donc là, on va voir que les chiffres en règle générale sur le mois de juillet sont en hausse, mais il y a une petite chose qui baisse quand même significativement. C'est quand même pas négligeable, même si c'est pas la fin du monde, faut quand même le dire. Sur le mois de juillet, quand même fait quasiment 31 000 vues sur le mois. 31 000 vues, c'est quand même pas négligeable. En juillet, 31 jours, 31 000 vues, 1000 vues par jour. J'ai fait des études, j'arrive à multiplier par 1000, c'est génial. Donc 31 000, 1000 vues par jour, quand même, c'est quand même plutôt pas mal. 2600 heures de watch time, donc 2600 heures, c'est quand même plutôt pas mal. 721 nouveaux abonnés. Si vous avez rejoint la chaîne au mois de juillet, coucou les nouveaux abonnés. Et puis, 281,40 $ de revenus estimés. Donc on va voir que les trois premiers sont en hausse, mais que le petit dernier, où il y a les petits dollars verts, il a du mal. C'est le mois de juillet, c'est les vacances. Les annonceurs sont aussi partis en vacances. En tout cas, leur portefeuille est parti en vacances. Donc, quand on regarde le reach, et là, pour le coup, moi, je trouve que le YouTube, pour ça, c'est vraiment génial. C'est qu'une petite chaîne comme la mienne arrive quand même à faire quasiment un demi-million d'impressions. On va dire 2 millions de personnes exposées à la chaîne. Alors, ça ne veut pas dire que ce soit 2 millions de personnes qui ont cliqué sur le contenu, etc. Ce n'est pas du tout le cas. Mais potentiellement, ça veut dire quand même qu'il y a des centaines de milliers de personnes qui ont été exposées à la marque Digital Marketing, qui ont été exposées aux miniatures et donc potentiellement à ma tête, parce que je mets ma tête sur quasiment toutes les miniatures. Donc ça, franchement, c'est quand même quelque chose qui est quand même assez puissant. Ensuite, donc le taux de clic, 4,7% de taux de clic. Donc ça veut dire que les gens cliquent en moyenne 4 à 5% sur les miniatures quand ils sont exposés au message. 31 000 vues, comme j'arrivais à le calculer avec mon cerveau incroyablement développé tout à l'heure. Et puis, quand même, quasiment 20 000 uniques viewers, donc quasiment 20 000 personnes différentes qui ont regardé le contenu de la chaîne. 20 000, c'est quand même énorme quand on y pense. Pour une chaîne qui fait maintenant, qui vient de dépasser les 7 000 abonnés, ça veut dire qu'on a quand même 3 fois plus de personnes qui regardent que d'abonnés. À peu près fois 3. Et on arrive à comprendre, juste en regardant ça, juste le reach, entre le nombre d'impressions, le nombre de clics, en tout cas le taux de clics, le nombre de vues et le nombre unique de personnes qui ont regardé les vidéos, on se rend compte quand même que YouTube, c'est quand même un outil extrêmement puissant parce que sur ces 20 000 personnes qui ont vu les vidéos, qui ont regardé les vidéos et puis les 31 000 vues, on arrive quand même à avoir une durée moyenne de 5 minutes. Même si on regarde Instagram, si on regarde Facebook, même si on regarde TikTok, etc., où en règle générale, on peut aussi atteindre ce genre d'impression, on peut aussi atteindre ce nombre de visiteurs uniques, mais jamais les gens vont passer 5 minutes de leur temps sur le même contenu. Ils vont peut-être passer 10 secondes par-ci, 5 secondes par-là, surtout avec TikTok et le côté vraiment très très rapide, les Reels sur Instagram, c'est un petit peu la nature de ces réseaux sociaux. YouTube, les gens dédient du temps à regarder vous et votre contenu. Ici, on parle de 5 minutes. 5 minutes par contenu. Donc, quand on voit 20 000 personnes uniques et 30 000 vues, on part du principe que les personnes, en moyenne, ont regardé une vidéo et demie, 1,5. Donc, 20 pour arriver à 30, c'est fois 1,5. On peut se dire que les gens, en règle générale, en moyenne, ont passé 5 minutes par contenu, mais 7 minutes et demie sur la chaîne pendant le mois de juillet. Donc, 7 minutes et demie sur le mois. Est-ce que les gens qui vont sur votre compte Instagram ou sur votre compte TikTok dédient 7 minutes et demie
à votre contenu et seulement votre contenu sur ces plateformes? Très honnêtement, je suis pas sûr. Donc ensuite, quand on passe à l'audience, ben, les returning viewers sont de plus en plus nombreux, plus 28%. Ça veut dire que les gens qui regardent reviennent sur la chaîne. Sous-entendu, j'espère en tout cas que le contenu est de qualité, ce qui fait qu'ils vont revenir et en plus qu'ils vont s'abonner pour pouvoir revenir de plus belle, pour pouvoir activer la cloche, etc. Ce que vous voudriez faire là tout de suite, là maintenant, je pense, parce que c'est peut-être le bon moment. Peut-être aussi liker la vidéo, parce que ça fait toujours plaisir. Et puis ensuite, bah, sur les unique viewers, ce qu'on a vu tout à l'heure, 15% supplémentaires par rapport au mois précédent, alors qu'on est au mois de juillet. Les gens sont en vacances, ils ont autre chose à faire que d'aller sur YouTube, ou alors peut-être parce que le temps est dégueulasse en France ou ailleurs, et donc dans ces cas-là, peut-être que justement, ça peut faire passer le temps. Et puis, subscribers 721, plus 1% par rapport au mois précédent, donc on va dire qu'on stagne sur 700 nouveaux abonnés tous les mois, ce qui est plutôt pas mal. Mais la question qui se pose, c'est bah, qu'est-ce qui s'est passé avec les revenus? Parce que les revenus, là, on est quand même... je ne vais pas dire en chute libre, mais moins 26%, donc moins un quart par rapport au mois précédent, bah, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, $280, je ne veux pas cracher dessus, très honnêtement, je suis très content avec ça, mais avec un CPM qui est à moins 26%, donc qui est passé à $22, et un RPM qui est passé à $9, donc moins 26% pour les deux, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, ce que je pense, c'est que pendant l'été, vu qu'il y a une... décroissance des vues en règle générale sur les réseaux sociaux et notamment sur YouTube, il y a moins d'annonceurs. En tout cas, peut-être que les annonceurs sont moins aptes à faire de la pub parce qu'il y a moins d'audience et ils gardent leur budget pour la rentrée de septembre, octobre, novembre et décembre. Et donc, vu qu'il y a moins de performances pendant les mois d'été, eh ben, il y a moins de pubs et donc, du coup, bah, forcément, le CPM baisse. Ça, c'est mon interprétation à moi sur ces moins 26%. Après, bon, ben, peut-être que je me trompe, mais je pense que sur le mois d'août, on va avoir à peu près la même chose du point de vue CPM. En tout cas, un CPM qui va rester stable par rapport au mois de juillet et donc ben, moins important que sur les autres mois. Maintenant, il faut aussi remettre les choses en perspective. $22 du CPM, c'est vachement bien déjà de base. Parce que il y a d'autres secteurs où le CPM ne dépasse pas les $5-$10. Donc très honnêtement, franchement, on est vraiment dans quelque chose qui est vraiment bien. Mais moi, ce que je voulais aussi vous montrer aujourd'hui, c'est quelque chose qui me fait toujours halluciner. Et encore une fois, je vais faire un comparo avec Instagram, je vais faire un comparo avec TikTok et avec les autres réseaux sociaux en règle générale, peut-être Facebook. C'est que, regardez ça. Vidéo postée le 4 novembre 2020, 2700 vues ce mois-ci. Novembre 10 2020, 2200 vues. Là, on est en janvier de cette année, donc il y a 7 mois, quasiment 2000 vues. Octobre 2020, 1500 vues. Octobre 2020, 1500 vues, etc., etc. Ce qui montre bien qu'à partir du moment où on arrive à créer des vidéos qui sont bien positionnées en termes de référencement naturel sur YouTube et qu'ensuite, elles ont un bon engagement, comme on voit ici, durée moyenne 41%, 38%, 34,5%, 50%, 41%, quasiment 50%. Si on a du contenu de qualité, en tout cas, qui apporte de la valeur aux gens et qu'en plus, il est bien recherchable sur YouTube, bah, potentiellement, c'est des contenus qui vont faire des vues pendant des mois et des mois, voire des années et des années. Est-ce que vos posts sur Instagram font des vues pendant des mois et des années? Très honnêtement, non. TikTok, c'est la même chose. Ça va être temporaire, mais ça va pas durer pendant des mois et des mois. Ça montre aussi la puissance de YouTube, parce que quand je vous montre un petit peu maintenant bah, les revenus par vidéo, c'est directement corrélé par rapport à ça. Ça, c'est une vidéo qui a été postée donc à la fin 2020. Ça, c'est une vidéo qui a été postée donc en mai dernier. Ça, c'est octobre 2020. Ça, c'est octobre aussi 2020. Et ça, c'est récemment. Ce qui fait que sur le top 5, il y a quand même au moins 3 vidéos qui datent de fin 2020, donc qui ont quasiment un an maintenant, et qui continuent à générer $15, $20, $30 tous les mois. Donc c'est des vidéos qui génèrent des centaines de dollars tous les ans,
voire plusieurs centaines de dollars tous les ans, alors qu'elles ont été postées une fois et qu'elles ont bien été optimisées. Et donc pour moi, franchement, aujourd'hui, si vous voulez faire de l'argent sur Internet, moi je pense qu'un des meilleurs moyens, ben, c'est d'ouvrir une chaîne YouTube, juste pour cette raison, mais aussi pour d'autres raisons, que j'explique d'ailleurs dans une formation que je suis en train de finir. J'ai déjà une formation YouTube pour les entrepreneurs, donc pour les gens qui sont des professionnels et qui ont des petites structures. Je suis en train de finir la petite sœur de cette formation qui est destinée à vous, donc à n'importe qui, les gens qui veulent se lancer sur YouTube, qui veulent devenir YouTuber et qui veulent en vivre. Cette formation sera finie dans les prochains jours, dans les toutes prochaines semaines. Et donc, je vous invite à vous inscrire à la newsletter pour savoir quand elle va être disponible. C'est une formation que j'offrirai à petit prix qui sera à moins de 100 euros. Et donc, si vous voulez en savoir plus et atteindre ce genre de niveau et bien plus encore et vous lancer sur YouTube, bah, je vais pouvoir vous aider avec cette formation qui va vous donner toutes les clés pour atteindre la monétisation le plus rapidement possible, mais en plus, bah, de pouvoir gagner de l'argent avant d'être monétisé. Cette formation sera disponible bientôt. Donc encore une fois, je vous invite à vous inscrire à la newsletter pour en savoir plus, si évidemment c'est quelque chose qui vous intéresse. Dès que cette formation sera disponible, je vous le ferai savoir et il y aura des petits bonus en plus pour ceux qui achèteront la formation dans les premiers jours de disponibilité. Voilà ce que je pouvais dire aujourd'hui sur le report et les résultats du mois de juillet de la chaîne. Très clairement, encore une fois, moi je suis quand même assez content. On est sur la route des 10 000 pour la fin de l'année, peut-être même avant. En tout cas, on est sur le bon chemin. Merci d'avoir regardé la vidéo. Et puis moi je vous dis à une prochaine, dans une prochaine vidéo. Mais avant de partir, n'hésitez pas à liker parce que c'est important pour l'algorithme et ça aide la chaîne énormément. Merci et à la prochaine.